bien bonjour tout le monde, c'est très très bien, c'était DKLES, aujourd'hui pour le numéro 7 de Pokémon version éclat pourpre. Sans doute, tout à fait dans l'épisode, on était en compagnie de Jorna Shrey, et on avait tout simplement eh bien, obtenu notre second badge, que voici que voilà, il est là, le second badge. Le badge venin, il me semble qu'il s'appelle, ou quelque chose comme de nom de genre. Donc du coup, voilà, on avait tout simplement eu notre second badge, et eh bien, on avait pu ensuite libérer, enfin en quelque sorte déverrouiller les super potions à la boutique, on en avait donc acheté. Et bien donc là on va tout simplement bien continuer notre aventure et tout simplement. Et j'ai pu voir vos retours sur l'épisode numéro 5, oui donc il manque plus que les retours de l'épisode numéro 6, en fait l'épisode en compagnie de Jean Lacheray, je n'ai pas eu le retour vu qu'il n'est pas encore sorti. Et j'ai pu voir que eh bien il y a eu un petit débat dans les. Un mini débat dans les commentaires. Voilà. Là j'ai augmenté un peu le son du jeu. Parce qu'on n'entendait pas beaucoup le son du jeu depuis le début, donc voilà, j'ai augmenté le son du jeu. Voilà. Et donc il y avait un petit débat dans les commentaires en ce qui concerne eh bien, l'intelligence artificielle du jeu. Alors je me suis renseigné, j'ai parlé à Myst, un des créateurs du jeu, et il m'a dit que l'intelligence artificielle, eh bien, elle n'était pas plus développée qu'un jeu Pokémon normal, donc voilà. Enfin, lorsque j'ai switché sur Air Bizarre face au crocodile de Silver d'épisode numéro 5, j'ai simplement eu de la chance. Voilà, la chance, elle a simplement eu de la chance. Et donc, elle a fait Laser Glass. Voilà, ça marche. Okay. Donc, elle a fait Laser Glass. Donc, voilà. C'était un petit quelque chose que je tenais à mettre au point avec vous. Et donc, sinon, en ce qui concerne également, on va faire un petit point sur le scénario jusqu'à présent. Le scénario au niveau de la Team Rocket. Vous avez pu constater que la Team Rocket, simplement, vous venez dans les égouts. Elle avait parlé d'un projet génétique de grande ampleur, et vous avez vu à l'écran titre de l'épisode 1, et vous voyez aussi dans le layout, que c'est Mewtwo, le Pokémon à l'honneur dans ce jeu-là. Donc, projet génétique de grande ampleur, Mewtwo qui est mis à l'honneur, ça, à mon avis, le jeu va assister, on va assister dans le jeu à la création de Mewtwo, je pense, hein. Donc, voilà, je pense, en tout cas. Donc, c'était un petit point sur le scénario que je tenais à faire, donc pour ceux qui connaissent le jeu, ne me spoilez pas dans les commentaires, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du scénario pour le moment. Puis même d'ailleurs ceux qui connaissent le jeu, hein, vous pouvez me dire ce que vous pensez du scénario pour le moment. Mais surtout ne me spoilez pas la suite s'il vous plaît. Je compte sur vous. Donc voilà, là on va pouvoir aller au marais. Voilà. Quoi que ce soit, continue le jeu puisque après il y a un marais. Hein, voilà. Bonjour, d'accord. Voilà, ok, il pleut. Donc du coup, j'ai aussi un autre point, je trouve que entre Perchabre et Gipolis, il y a eu un gros contraste. Hein. Perchabre, c'est une ville où il y a l'air pur, une ville de type plante, alors que Gipolis, c'est une ville où il y a un air pollué avec des Pokémon poison. Donc voilà. Je trouve que de la part des créateurs, ça a été bien de faire un espèce de contraste. Ah, il y a des Caminus ici, d'accord. Mais ils sont petits, leurs dents sont aiguisées. Ok, donc ceux qui ont pris Caminus, c'est bizarre, c'est dommage pour vous. Ah bon. D'accord. C'est dommage pour vous. Mais voilà. Premier combat, c'est parti. Oui, donc je disais, voilà, c'est très très bien. J'ai bien fait dans ce jeu. Il y a un contraste entre les villes, et chaque ville, on sent que chaque ville a son histoire, ça j'aime bien. Mais qu'est-ce que je trouve dans ce marais courave? Je peux même pas planter ma tente, ça. Bien calmer mes nerfs. D'accord. Un Pokémon de façon vite, l'ombré. D'accord. Mania. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Oh bon, ok, je suis calmé, mais je suis toujours dans ce foutu bourbier. Ouais. J'aimerais partir d'ici, mais je sais pas pourquoi je peux pas bouger cette route. Je trouve pas ça bizarre. Hein. Bon, écoute, il y a du psychocoque, tiens. C'est parce que tu kiffes la pluie, tu kiffes les marais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Un sac de nœuds, tiens. Ok. Il y a pas boule de nœuds dans ce jeu-là, donc. Voilà. Ah, voilà, il y a une Pokéball. Retour. Ah, d'accord. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Pour notamment Teddy Ursa, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Je sais pas si on pourra atteindre ces maisons plus tard, on va voir ça. Pour Teddy Ursa, c'est pas mal, retour. Axoloto, ouais, hop. On va laisser docking, on va le faire atteindre le niveau 25. Et on va simplement ensuite se rendre un peu plus. Voilà, cette maison qui est
Pension Pokémon, ah c'est la pension. Ouais, ça m'intéresse pas la pension, hein. J'ai aucun Pokémon à mettre. Pension, nanana, non. Ok. Ouais. Ah d'accord, il y a 9. Oui. Ok, donc je vais mettre Paras dans le PC et je vais récupérer l'œuf. A tout de suite, tout le monde. Re tout le monde, nous voici devant la pension. On va donc récupérer l'œuf. Alors j'espère que c'est un bon Pokémon, ça c'est bien. C'est peut-être Togepi, hein, remarquez. Hein. Voilà, c'est peut-être Togepi. Je pense que ça doit être Togepi à mon avis. Hein. Prends soin de cet œuf. Ouais. Je pense que c'est un Togepi. Bon après je me trompe peut-être, hein. Mais bon. C'est toujours Togepi de toute façon dans l'œuf, je vois. Ou Evoli. Ah, peut-être. Non, mais non, non. Evoli, on en trouve, ça serait débile de mettre un Evoli. Oh, je sais pas en fait. On verra. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ok, y'a rien. Tu bouges, s'il te plaît? Merci. Toi, t'es un dresseur, on va t'ajouter d'avoir des Pokémon, insectes, donc Nidoking et Boulement, ça fait le taf. Allez. Yo. Ouais, ouais, regarde les Pokémon insectes. Allez, bah, voilà, éboulement. Et éboulement, voilà. Voilà, c'est réglé. Voilà, Nidoking est niveau 25, on va donc pouvoir changer. Et mettre, on va mettre Flobio, ouais, Flobio il est un peu en retard. On va mettre Flobio. Voilà. Ah, il y a beaucoup de Pokémon poison quand même dans le coin. Hein. Ah bon, c'est un bon Pokémon. Si j'avais pas dit Docking, je pense que je l'aurais pris pour avoir Arbok. J'aime bien Arbok en fait. Arbok est un Pokémon que j'apprécie. Voilà. Salut. Je suis curieuse de voir comment tu élèves tes Pokémon. Eh bien, je les élève. Je les élève. C'est déjà pas mal. Marest. Ok. On va mettre un bizarre. Voilà. Allez, Giga s'en suit, on n'en parle plus. Hop là. Voilà. Tu as tes Pokémon avec beaucoup d'amour. Merci. Tu dois élever tes Pokémon comme une mère éleverait ses enfants. Ouais. Ici, y'a rien, d'accord. Yo. J'ai vu une idiote qui essaie de planter une pote dans un sol boueux tout à l'heure. Quelle idiote, t'es pareil. Ah ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est, il me semble. Bon allez, un sourd d'eau, elle tire debout. Quoi? Bon, on va switcher sur Elidel. Hein. Voilà. Reflet. Allez, cruel. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai pas vu avec l'accéléré. Bon bah... Il a pris cher quand même, hein, purée. Ah bon? T'as aussi Flobio, l'air bizarre, go. Allez, hop, voilà. Voilà, Paul Alain. Apparemment, t'es pas le premier venu. L'écosystème de ce Cismarais est superbe, je ne trouve pas. Ouais, il est pas mal, j'avoue. Encore un dresseur. Salut. Je suis sûr que tu penses que je suis un type comme les autres, non? Ben, qu'est-ce que t'as spécial? C'est la question que je me pose, qu'est-ce que t'as de spécial? Deux Pokémon, gamin Jimmy. Bah ouais, t'es comme les autres, non? Allez, tire debout. Il fait vraiment pas mal Flobio, c'est le problème en fait. Voilà. Ramboum. Ramboum, lui, peut faire mal, par contre. Ah, mais Pistos, c'est de plus efficace que la pluie. En plus, j'ai Torrent. Ouais, non, en fait, non. Hein. Allez, voilà. Tu aurais Flobio, il est chaud, là. Ouais, tu avais peut-être raison. Vous, les gens de la ville, toujours à filmer vos fringues. Ça m'irait bien. Tu veux pas me le donner? Non. Non, non. Un sac de nœuds, ouais, non.
un objet là. Ok, on peut pas aller plus loin. Oh, tous ces combats sont relous, par contre. Ok. Bonjour. Ouais, ils sont stricts hein, les gardes. Hein. Ils sont stricts. Hein. Bon, je passe sur mon équipe par contre parce que je sais pas. Ok, d'accord, c'est une autre route. On va mettre Elidel, ouais, un petit peu. On va mettre Elidel. Yo, je t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze. Balèze, ouais, je me débrouille pas mal. Scar, ah oui, quand même. Niveau 24 en plus. Là par contre. Voilà. On va faire Mania. Bon, tu t'en vas, hein. Voilà. Bon Pokémon Scarabot. Ouah, trop puissant. mes Pokémon sont nuls ou je suis très mauvais? Tu es très mauvais parce que Scarabot est un bon Pokémon. Tarsal, là, tiens. Tarsal, ouais. Allez, niveau 23. Voilà. Voilà, niveau 23. Tarsal, non, je vais pas le prendre. Serfous non plus, d'ailleurs. Faudra que je demande au créateur de la ROM à... Ah, il y a des Canidos ici. Oh. J'aimerais vraiment avoir un Arcanin de Franck, mais j'ai pas assez de thunes. Alors je vais passer ma prestation sur toi. Arcanin de Franck. C'est pas si qui. 9-9. Ok, hop, voilà. L'énergie. L'énergie Nidoking. Allez, Mania. Voilà. Évidemment, statique. Noix de coco. Ah. Notre coco, éboulement, non, Mania. Poudre de dos. Ouah! Mais sérieux? Oh là, attention, là, je pourrais me retrouver complètement. Ah oui, je peux. Ah oui, d'accord, ok. Il fait mal, hein. Ouais, il fait très mal, hein. Les chouilles. Paralysé, s'il te plaît. Paralysé, oui. Combo griffe. 5 fois, je sais pas, 3 fois suffira. Voilà, c'est bon. Ah, purée. Il est chaud. Non, mais sérieusement. 26, ouais. Ouah. Je crois que je vais commencer à économiser. Ok. Ouais, mais il y a des Canidos ici. Bon, par contre, là, je vais soigner mon équipe. On se retrouve. Ah ! Attendez. D'accord. Ok. Bon, écoute. Donc, on se retrouve juste après les gens tout de suite. Et bien, re tout le monde. On se retrouve au même sac que tout à l'heure. Avec cette fois-ci, bien. Il y a toujours un ronflex qui bloque le chemin. Alors je sais pas s'il y a des Kalinos dans ce coin. Est-ce que dans le Pokédex j'ai rencontré Kalinos? Non, pas régional. National. Kalinos, non? J'ai pas rencontré Kalinos, d'accord. Eh bah super ça, j'aimerais savoir s'il y a des Kalinos dans le coin. Ah oui, il y en a. Voilà, sauvegarde rapide, hop. Et toi je vais t'attraper. Je te veux en fait. Intimidation normalement cruelle, ça va faire du dégât, ça va faire moins de dégâts. Ouais.
Bah du coup j'ai été frappé hein. Quoi? Voilà. Ce Pokémon est particulièrement affectueux et loyal. Il aboie et il mord pour se débarrasser de ses adversaires. 70 cm, 19 kg, ok. Donc les gens, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve quand j'ai récupéré Kalinos. Et s'il a une mauvaise nature, eh bien je ferai carrément une ellipse jusqu'à temps qu'il ait une bonne nature. A tout de suite tout le monde. Et bien re tout le monde, le Kalinos que j'ai attrapé avait une nature hardie, c'est neutre. Donc c'est bien, vu que je compte lui apprendre des attaques sur les deux plans. L'intimidation, ça c'est cool. Et il a morsure, donc c'est pas mal. Flamèche, gros yeux, hurlement, c'est pas... ça va, c'est pas trop dégueu. Il est par contre que niveau 18, et je passe une idée d'elle, bon, tant pis, hein. Il est que niveau 18, donc je ferai une séance d'XP pour lui en off. Donc voilà, tout simplement. C'est pas mal, on peut donc continuer notre route tranquille vers... ici, il y a un objet, non? Non, pas d'objet ici. Un Kirlia, ok. Ok, ok. Là, il y a... Là, je m'étais dit ça. Bon, ton modération ne suffit pas que ton équipe ait un niveau élevé. Il faut aussi qu'elle ait une bonne synergie. Ah, synergie. Le mec était dans le surfu, il parlait déjà de Sunny Moon, hein, tu sais. Quoi? Ah ouais. Ah t'es chaud toi. Mince. Les mecs, il me sort un Arcana au calme, tu sais. J'ai rien compris le gars. Il a fait quoi? Il a fait Aurore? Ah ouais. On le surfait lui. Ok. Putain. Ça se voit. Allez, au revoir. Putain, mais concrètement là, et il me sort des feux follets, des aurores et tout, mais c'est ouf hein. Feinte, ah ça c'est pas mal. On va enlever les chouilles. C'est mieux feinte que les chouilles. Voilà voilà. T'es dur ça prend feinte, ok. Ouais, par contre là j'ai pas un objet qui permet de soigner là, t'as le soin, je sais pas. Quoi? Il m'a donné 92? Mais sous ma... Eh, vous foutez de ma gueule, là, au niveau argent, c'est possible, hein. Y a pas de total soin et tout, non? Ben là, c'est chaud, là, par contre. C'est chaud, y a pas de centre Pokémon, y a rien, c'est tendu, là. Je vais voir ce qu'il y a par là. 1-9, ouais. Ok, y'a rien par là. Un Dodrio. C'est pas mal, il est pas mal Dodrio, j'aime bien ce Pokémon. Bon, c'est par là du coup qu'il faut aller, hein, je pense, hein, ouais. Ah. C'est ici l'élevage des... C'est ici l'élevage d'Arcana. Oh. Tante de Franck, dresseur d'Arcana. Ok. On va rentrer. Bonjour jeune homme, je suis mon prénom Franck, grand passionné d'Arcana. Ce sont des Pokémon fantastiques. Ouais, c'est mon Pokémon préféré. Attends, normal, ouais. Ils peuvent courir à des vitesses folles ou être d'excellents compagnons durant les excursions. Les Arcana que j'élève sont de cette dernière catégorie. Pourront t'assister durant tes voyages, mais ne peuvent toutefois pas combattre. Ah ok, c'est un moyen de transport, c'est plutôt stylé ça, il vaut combien? Je suis prêt à t'en léguer... Je suis prêt, il n'y a pas de S. Je suis prêt à t'en léguer un pour seulement 20 000 Poké... Oh là là... J'aimerais bien, mais voilà quoi. Désolé, tu ne me passes pas cet argent. Je reviendrai en prendre un, je pense. Hein. Ouais. Attendez, niveau carte là, la carte. Je vais regarder un truc sur la carte. Ah oui, en fait, c'est pour aller ici que c'est bouché, d'accord. Bah, que c'est bouché par Ronflex quoi. Du coup, là, on va rejoindre Crossville bientôt. D'accord, très bien.
Ok. Ok. Bah, donc, la prochaine ville, ça sera donc Crossville, je pense. Rien qu'avec le nom, je dirais que le champion de type O. Peut-être que je me trompe, mais... Alors... On va mettre Canidos un petit peu. On va voir ce qu'il vaut, le poteau. Hein. Hey, dégage ici, tu marches mes affaires. Excuse-moi, hein. Excuse-moi. Bon, c'est... par contre, c'est où qu'il y a un centre Pokémon, là, parce que... Ah, Roselia. C'est bien ça. On va faire du dégât un petit peu, là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas... Mais t'es sérieux, il gagne même pas son duel face à Roselia. Oh. Je suis déçu, choqué, là. Très déçu, très choqué. Allez, cruel. Niveau 24 pour Elidel. Un Azumarill. On va mettre Air Bizarre. Ouais, vas-y, fais Bulldo. Allez, Giga Sensu. Voilà, fais Bulldo. Voilà. Giga Sensu encore, de nouveau. Hop là, voilà, c'est bon. Niveau 23. Pour Air Bizarre. Non, je déteste perdre. Soupir, gros soupir, ok. Je vais mettre Flobio, parce qu'on peut l'entraîner Flobio quand même. Chez Canyon, ça me déçoit là. J'aurais voulu le faire gagner face à Roselia. Mais bon, qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yo! Je traîne par ici pour agrandir ma collection. Et au passage, je démonte les types qui passent par là. De toute façon, pour le troisième match, Canyon, je le montrerai de niveau en fait. Ce Crozune ne doit plus être très loin, je pense. Scorplan. Ouais, c'est bon, j'ai pistolet à eau, ça va. Comment te dire? Voilà. Il a fait abri, bah moi je fais reflet. Elle est cruelle. Encore? Mais hé! Comment c'est que toxique ça marche? Tu te fous moi? Ramboum. Bah j'ai cru en fait, c'est cruel, allez, casse-toi. Bam. Ouais. S'il te plaît, ne me fais plus mal. 1056, ah je préfère. Je dois encore agrandir ma collection pour pouvoir construire une meilleure équipe. Là par contre j'ai des antidotes, donc on va pas gêner pour les utiliser. J'en ai 5. Voilà. Niveau potion. On va laisser ça pour là, comme ça. Voilà. Je dois encore garder une question pour compenser mes équipes. Ouais, ça, je l'avais déjà vu. Donc, du coup, voilà. Là, on progresse. Je sais pas ce qui se passe ici. Ça descend. C'est un peu louche. Ah, il y a une grotte. D'accord. Entrée du chemin creuse. Ah, c'est le chemin creuse. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas besoin de flash. Eh, le merde de première là-bas. Ne me dites pas qu'on va devoir l'affronter. Ne me dites pas qu'on va devoir l'affronter, s'il vous plaît. Arrête-toi. C'est encore toi. J'espérais ne pas te revoir pour un bon moment, tu sais. Tu veux quoi cette fois? Oh non. T'as l'air un peu trop confiant, tu commences vraiment à me saouler. Ce que je veux, juste prouver que ta victoire à la planque est un coup de bol. Amène-toi. Allez, feinte. Quoi? Ah! Non mais, je vais pas gagner là, je vais pas gagner. Non mais concrètement, je vais pas gagner, c'est pas possible. Ah, critique. Si je gagne, c'est un coup de bol, hein, je le dis. Niveau 24. Ce Nidoking est brûlé, hein. 25 pour les Dell, ouais. Crocodile.
niveau 20, mais... Et il était que niveau 17, hein, la planque, hein. Poudre de dos. Voilà. On va faire Giga Sensu. Ouais, si tu veux, allez. Et là, franchement, si je gagne, je suis chaud, parce que mon équipe est vraiment mal en point. Voilà. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'apprenne Bomber, qui est bizarre, j'ai oublié. Ouais. Giga Sensu. Déjà. Et tout à la trouille, là. Dans ce dragon. Ah ouais, quand même. Heureusement que je suis Giga Sensu, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ça sort les bails du Dragon Dancer. C'est vraiment juste strat, en fait. Hein. Wouah. Des molosses. Bon Burk, ouais. Ouais, bah bien sûr, évidemment, je suis empoisonné. Bah, tire debout. Au moins, je baisse ta vitesse, c'est déjà ça. Après, je pourrais devenir plus rapide que... Bon Burk, ok, c'est bon. Putain, il a des bons Pokémon, hein. Attendez, il avait qui, déjà, d'un fois? Il avait Spectrum, il avait Fantomius, Malos, Crocodile, et le dernier, c'était qui? Je sais plus. C'est pas du tout. Ouais, mais évidemment, là, je suis brûlé, donc... Éboulement. Ouais, bye. Ouais. Éboulement. Voilà. Double pied. Mais tu te fous de moi là? Moi aussi j'ai des super potions là. Tu triches? Je triche, hein, aucun problème. Hop là. Non mais sérieusement quoi. Après ce combat on s'arrête, hein, les gens. Double pied, voilà. Voilà. Non mais au calme, je suis en train de me faire mettre en PLS là, Dorino. J'ai qui pour conseiller Dorino moi. Regarde. C'est super bizarre le passe-pas, hein. Quoique. Allez, je fais un gros yeux pour qu'il aide elle fasse plus de dégâts. Damoclès. Ah ouais. Il a des bons moves quand même, hein. Il est d'elle. Bon, Cruel va faire plus de dommages du coup. Coup critique carrément, ok. Ça l'aurait pas tué si on chance pas. Hein. Oh, bon, tiens. Évidemment. Ok. Bon sang, j'y crois pas. C'est pas pensable d'avoir une chance pareille. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu vois bien que je suis meilleur que toi, fiche-moi la paix maintenant. Allez, bouge de là. Je vais devenir tellement balèze que tu me supplieras à genoux d'arrêter de tabasser tes Pokémon. Ok les gens, bon, on va s'arrêter ici du coup, hein, pour cet épisode numéro 7 de Pokémon version Super Pourpre. J'espère qu'il vous aura plu, hein. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si ça vous a plu, mon équipe est complètement ravagée, hein, c'est ce qu'on puisse dire. Donc du coup, je vais aller en off la soigner. Moi je vous dis à très vite pour le numéro 8 de Pokémon version éclapant, et puis sinon d'autres vidéos comme Pokémon Colosseum qui continue. Par exemple, ciao bye tout le monde, c'était Et les câbles bestes.